Madame le Président, chers collègues, ce débat aujourd'hui sur une prétendue nécessité d'aller chercher les migrants en mer, organisé quelque temps après l'adoption du funeste pacte sur l'immigration, démontre l'obsession immigrationniste de la majorité politique de ce Parlement européen. Il n'existe aucune obligation d'aller chercher des navires qui ne sont pas en perdition. Et lorsqu'ils sont en perdition, il n'existe aucune obligation de ramener ces passagers en Europe plutôt que sur d'autres rives de la Méditerranée, qui y sont d'ailleurs beaucoup plus proches, car il est prouvé que les ONG vont chercher les migrants illégaux au plus près des côtes libyennes et tunisiennes. Ces obligations n'existent que dans la tête de ceux qui veulent encourager l'immigration par calcul politique et idéologique. Ceux-là même qui veulent faire de Frontex une agence d'accueil des migrants et qui veulent transformer la Méditerranée en autoroute maritime de la submersion migratoire. Mais sachez que la riposte des peuples européens et patriotes qui ne veulent pas disparaître a déjà commencé et que le jour vient aux Européennes l'année prochaine où vous devrez rendre compte de vos responsabilités.